Chers pèlerins, et vous tous qui êtes en communion avec nous, grâce à la télévision C'est les Lumières, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe est offerte pour le repos de l'âme de M. Henri-Paul Cournoyer, à la demande de Mme Marielle Cournoyer. Chers pèlerins, en fêtant Saint François de Laval, nous nous rappelons tous les gestes que les missionnaires du début de la Nouvelle-France ont effectués afin de répandre la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est à nous que le Seigneur Jésus s'adresse pour que nous allions vers nos frères et sœurs en recherche de vérité et d'un sens à la vie. Implorons la miséricorde du Seigneur au début de cette célébration eucharistique. Seigneur, notre vrai berger, pardonne nos refus de te suivre et prends pitié de nous. Ô Christ, notre vrai guide, pardonne nos égarements et prends pitié de nous. Seigneur, notre vrai maître, éclaire nos doutes, soutiens notre faiblesse et prends pitié de nous. Que Dieu, fidèle et miséricordieux, nous pardonne nos péchés et qu'il nous donne de toujours suivre sa voie jusqu'à ce que nous entrions dans la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as envoyé le bienheureux évêque François de Laval pour étendre le règne du Christ au Canada. Accorde-nous, à son intercession, d'accomplir l'œuvre missionnaire que nous devons faire comme chrétiens et chrétiennes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vient nous aimer avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Filles et fils bien-aimés, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Parole du Seigneur. Thank you.
Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Chers pèlerins, dans la première lecture, Paul écrit à Timothée, son fils spirituel, et lui donne des conseils pour annoncer la bonne nouvelle. Proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. L'apôtre ajoute d'autres considérations qui sont toujours d'actualité. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais Paul suggère à Timothée de garder la mesure, de supporter la souffrance en s'inspirant de la vie de Jésus, le bon pasteur qui n'a reculé devant rien, même pas devant la mort, pour la vie de ses frères et de ses sœurs. Jésus lui-même invite toutes ses brebis à le connaître, à l'écouter, à reconnaître sa voix et à le suivre. C'est cette voix que saint François de Laval a entendue et dont il a voulu se faire l'écho en Nouvelle-France par l'annonce de la bonne nouvelle à temps et à contre-temps. Il a œuvré à la suite de Jésus, le bon pasteur. Que de fatigue et d'abnégation de sa part pour aller à la rencontre des Français et des Autochtones et pour leur témoigner de la sollicitude du Christ, le bon berger, le vrai pasteur. À la manière de Jésus, saint François de Laval a donné sa vie pour établir en ce nouveau monde un peuple de foi et de charité qui savait reconnaître la voix du Christ, le bon pasteur. Chers pèlerins, aujourd'hui, c'est à nous tous qu'il revient d'annoncer avec audace la bonne nouvelle de la résurrection du Christ et de faire en sorte que sa voix continue de résonner au cœur de nos sociétés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous offrons à la fête du bienheureux François de Laval et donne-nous d'exprimer dans notre vie les mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans ces rites sacrés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François,
notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint François de Laval, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement nous avons dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Parole du Seigneur Dieu, c'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Au cours de la journée d'aujourd'hui, je vous invite à porter dans la prière l'ensemble des évêques du Canada. Prions ensemble le Seigneur. Par la grâce de cette Eucharistie, Seigneur, affermis tes serviteurs dans la vérité de la foi, qu'ils en témoignent partout, de bouche et de cœur, à l'exemple du bienheureux de Saint François de Laval, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne journée.